Bien. Donc bonsoir tout le monde, c'est Frigiel et ce soir, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure sur Dragon Quest 8. J'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes tous très nombreux, vous êtes tous très chauds là sur le chat qui s'enflamme. Je vois ça dès que le live se lance, c'est assez incroyable le nombre de messages à chaque fois qui apparaissent. Qu'est-ce qu'ils ont? Non mais oh, on va les buter, vous allez voir ça. Qu'est-ce qu'ils se croient là? C'est Vampivol, Vampimage là, je sais pas quoi là. J'avoue que maintenant on est assez puissant, donc ce genre de petit monstre ça va pas nous gêner beaucoup. Donc on se retrouve ce soir pour l'épisode 3, donc notre aventure sur Dragon Quest 8. Je vous avais laissé à la fin de l'épisode 2. Attendez, hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter de niveau? Non, voilà, je vous avais laissé au niveau de... Alors attendez, comment ça s'appelait cet endroit? De la tour là-bas, l'espèce de moulin. Et du coup j'ai été obligé en fait de revenir au niveau de la ville pour aller sauvegarder tout simplement parce qu'en fait on ne peut sauvegarder qu'en étant dans des églises. Donc voilà, j'ai été obligé de refaire le chemin arrière, du coup voilà, on va se retaper un petit peu de chemin jusqu'à la jaune. Je vous rappelle qu'on est en fait à la recherche de Jessica, qui s'est donc rendue au niveau de cette tour, j'ai encore oublié son nom du coup. La tour d'Alexandria, voilà, c'est bien ça. Pour essayer de se venger des monstres qui ont tué son frère. Est-ce que c'est son frère, son petit ami? Je crois que c'était son frère, hein, si je me trompe pas. Du coup, on va la chercher parce qu'on est un gentleman et qu'on est gentil et que une jeune fille a besoin de nous, alors on y va, tout simplement. Hein. Pas de raison de ne pas y aller. Et alors, le souci, c'est qu'ici, les monstres étaient assez chauds, enfin, bon, pas tellement, mais... En fait, quand j'ai essayé de revenir, en fait, au niveau de la ville pour sauvegarder, je suis tombé sur des monstres qui m'ont empoisonné. Donc, je sais pas si on va pouvoir recroiser ces monstres-là, mais c'est assez gênant le fait d'être empoisonné. Du coup, on perd de la vie petit à petit, donc c'est pas top. On verra ça. En tout cas, c'était pas eux, je crois pas. Eux, ce sont juste des monstres assez simples qui se soignent. Donc on devrait plutôt bien s'en sortir, et puis lorsqu'on aura quitté cette zone, on s'achètera, bah, je sais pas, un ou deux équipements, peut-être une nouvelle arme pour Yangu, je ne sais pas, on verra. C'est plutôt des armures en fait qu'il nous faut maintenant, vu que les armes on a tout ce qu'il faut. Bon, alors le son, bah, il y en a qui lag, mais alors j'ai l'impression que ce n'est pas le cas chez tout le monde, donc ouais, bon, a priori ça doit marcher vu que vous êtes plus de 1200 bientôt. Et j'ai que quelques petites personnes qui me disent que ça lag. Ouais, il y en a quand même pas mal qui me disent que ça lag. Généralement, il n'y en a pas autant. Ça me frustre un peu. Mais bon, il y en a plein qui disent qu'elle lag pas. Donc je ne sais pas. Bah, si vous laguez, c'est de votre faute. Non, je suis vraiment désolé si vous laguez. Je ne sais pas comment faire pour régler ça. A priori, ça vient de chez vous. Mais sachez que bah, vous pourrez toujours vous rabattre sur la rediffusion si ça devient vraiment non regardable le fait de laguer. Il y a toujours la rediffusion sur YouTube. Alors on s'était arrêté en fait exactement dans cette salle, et justement ce sont ces types d'ennemis là qui peuvent nous empoisonner. Donc on va essayer de les éliminer assez rapidement. Alors le souci c'est que... Coupe éclair, tiens c'est quoi ce machin? Ah oui, je crois que j'ai débloqué cette compétence justement hors vidéo, en essayant de revenir dans la ville, j'ai monté de niveau. Ça peut infliger des dégâts critiques si elle fait mouche. Bon, on va tester ça. Mouche? Est-ce que ça va faire mouche? Ah, c'est cette attaque là qui empoisonne. Ah non, ça endort ça. Bon, je sais plus ce que c'était du coup. Bon, ils font pas si mal que ça, mais c'est vraiment le fait d'être empoisonné qui me gêne. Ah ouais, youpi, ça fait rien comme point de dégâts, c'est génial ça. 0 point de dégâts, on va vite avancer comme ça. On va attaquer les champignons parce qu'ils nous endorment. Ah, c'est bon, on dort pas. Par contre, notre héros dort, lui. Ouh, one shot. One shot, ça fait mal. Bon. Je regarde les commentaires du coup, bon, en tout cas j'ai l'impression qu'au niveau du son ça marche, c'est ce qui compte, puisque bon, moi la rediffusion fonctionnera bien. Ah oui, j'ai mis quelques modérateurs, enfin j'ai pas encore pu répondre en fait à tous ceux qui m'ont envoyé un message pour être modérateur. J'ai pris un petit peu au hasard dans les messages que j'ai reçus, donc voilà, je tiens à m'excuser si vous m'avez envoyé un bon message et que je ne vous ai pas nommé encore modérateur, c'est vraiment que j'ai pas eu le temps. Et que j'ai dû faire ça complètement à l'arrache, mais j'ai vu qu'il y avait une dizaine de messages qui étaient assez intéressants. Donc, bah, tous les messages qui étaient un petit peu fait bâcler, bon, j'ai pas trop eu le temps d'y répondre, j'en avais plus d'une centaine, donc... vous doutez bien que je les ai lus, mais j'ai pas pu dire non, désolé, mais merci. Il y avait trop de messages, mais voilà, j'ai sélectionné une dizaine de messages intéressants auxquels j'essaierai de répondre pour avoir peut-être quelques modérateurs. La carte de la tour d'Alexandra. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le bon chemin, là? Vu qu'on nous offre une carte, c'est qu'on a peut-être pris un chemin parallèle, alors attendez. Ouais, alors on est dans le jardin, et il n'y a pas vraiment d'autres issues dans le jardin.
Bon, on va voir si on trouve un autre coffre que la carte. Pourquoi ils attaquent en premier, eux? C'est quoi cette arnaque, là? Il va falloir que je soigne Angus, d'ailleurs. On va bousiller le premier. Voilà, quand il y en a que deux ennemis, de toute façon, il n'y a pas vraiment de technique. Il suffit d'appuyer sur XXXX et d'attaquer au hasard. Bim, 22 points de dégâts. C'est vrai qu'on fait quand même vachement mal avec Angus, hein. On fait vraiment mal. Notre héros fait moins mal, mais bon. L'objectif d'avoir un boomerang, c'est vraiment de pouvoir attaquer plusieurs ennemis en même temps. Mais c'est vrai qu'en il n'y a que deux ennemis, par exemple, le boomerang, c'est moins rentable qu'une bonne vieille hache, un bon vieux coup de hache dans la face. Ça fait mal, ça c'est sûr. Allez, on va se soigner. Et voilà, on va essayer d'avancer assez vite dans l'histoire, parce que pour l'instant, j'ai pas été très très rapide. Enfin, je vais parler à plein de gens et tout ça. Hop, on s'est soigné. Du coup, j'ai pas trop avancé dans l'histoire principale, et c'est vrai que c'est à 200 heures de jeu. Bah, il va falloir quand même qu'on se bouge un petit peu si on veut arriver à la fin du jeu, même si on n'est pas forcément pressé, mais bon, quand même, ça serait intéressant d'essayer d'arriver à la fin. Alors, il n'y a pas de coffre là, ah, peut-être là-bas. Attendez, on va regarder, on va jeter un coup d'œil. Alors, face de crapaud, Scarab blindé. Scarab blindé, il doit être assez balèze. On va attaquer face de crapaud. Ah oui, il est balèze, 7 points de dégâts, c'est pas rien. Alors lui, quand il se retourne, en fait, il devient plus puissant. Ah ouf, et du coup, voilà, il fait du 8 points de dégâts. Et lorsqu'on lui met une deuxième attaque, il se remet de face, donc faut essayer de gérer le nombre d'attaques qu'on affiche à ces phases de crapaud. Phases de crapaud, quoi. Les noms de certains ennemis sont pas très originaux, ça c'est sûr, mais bon. Ah, y a pas un coffre ici. Ah si, attendez, y a un truc là. Ah si, bah voilà, c'était le chemin principal. Alors là, ça doit être la bonne salle, du coup on va aller dans cette salle qui doit être plus secondaire, on va voir ça. Est-ce que tu vas faire toutes les quêtes annexes? Bah on va essayer. On va déverrouiller la porte, tiens. Hop. Merde, je voulais pas sortir, non. Ouais, on va essayer de faire les quêtes secondaires, après tout, dans les RPG, les quêtes secondaires, faut toujours les faire, hein, ça c'est aussi intéressant que l'histoire principale, je trouve. Si elles sont là, autant en profiter pour les faire, et puis voilà, pour s'amuser, tout simplement, pour ajouter du temps de jeu. Oh là là, tous ces tonneaux, on va mettre 10 ans à tous les casser. Allez, c'est parti. Bon, Angus pourrait nous aider, là, mais bon, pour le coup, il est invisible, on va faire ça. 11 pièces, une petite terre pour soigner... Une botte riche lunaire, tiens, je sais pas à quoi ça sert. Et un joli coffre. Une graine d'agilité qu'on va tout de suite utiliser pour augmenter l'agilité de notre personnage principal. J'ai aussi une graine de magie, tiens. Augmente le maximum de points de magie d'un seul allié. On va la garder pour l'instant. On va la garder. Hop, graine d'agilité, parfait. Qui sait, la graine de magie pourra peut-être nous servir par la suite. Ce serait quand même cool qu'on ait un magicien dans notre équipe, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, on grimpe, on va voir ce qu'il y a en haut. Ah. Alors, les commentaires qui me disent de calmer les gens qui mettent des commentaires, c'est juste complètement inutile, parce que du coup, je lis votre commentaire et j'ai pas le temps de lire les autres commentaires à la place, donc... c'est l'astuce inutile du jour, de me demander de réduire le nombre de commentaires. Pourquoi j'ai raté un truc, là? Pourquoi tout d'un coup je me retrouve au premier étage? Je croyais que c'était pas la zone principale. Bon, attendez, on va voir ça, on va faire le tour de toute cette zone. De toute façon, c'est pas un donjon très très grand. On devrait arriver à la fin assez rapidement, je pense. Est-ce que je ferai des lives sur World of Warcraft? Ouais, peut-être. Mais bon, les lundis et les vendredis soirs, je réserve ça au Let's Play en live, c'est-à-dire à Dragon Quest. Alors, Yangus est encore en train de dormir, ouais. Ils sont vraiment chiants, ces ennemis, à chaque fois. Wow, pas mal. La petite brochette de 3. A chaque fois, ils nous endorment, du coup, c'est carrément chiant de les tuer. Enfin, c'est comme les ennemis qui se soignent, en fait, c'est complètement inutile. Alors, niveau 9, c'est ça. On obtient 2 points de compétence. On va les mettre dans notre compétence de boomerang. Ouais, on n'a pas gagné de nouvelles compétences ou de nouvelles améliorations. Il n'y a rien. Oh, on a fait tout le tour pour rien. C'est génial. Génial, génial. Espérons de ne pas tomber sur un tombeau avant de rentrer. Non, voilà, c'est bon, parfait. Bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, du coup. J'aimerais bien redescendre, en fait. Pourquoi c'est fermé ici? Pourquoi c'est fermé? Expliquez-moi ça. On peut faire un truc avec ce machin, là? Waouh, technologie! Génial, voilà. Je suis sûr que j'ai raté un truc. Bon, on repassera vers le bas lorsqu'on partira. Allez, les ennemis portent le premier coup. Qu'est-ce qu'il fait lui avec sa fourchette là? Tu crois que j'ai peur?
Elle m'a attaqué avec une petite fourchette. Non mais oh, où est-ce qu'il se croit lui? Alors on m'a expliqué que coupe-gorge était plus efficace sur un seul ennemi à la fois. Bon, on va tester quand il y en a deux, pour voir si c'est si efficace que ça ou pas. Et Yanguis va attaquer le premier. Bim, attaque fourchette. On va encore devoir se soigner. Je vois pas pourquoi en fait ce serait plus efficace sur un seul ennemi, coupe-gorge. Je me pose des questions sur l'utilité de cette compétence, c'est assez spécial. Kamikaze. Ah ouais, il s'est cassé la gueule en voulant faire son sort là. Qu'est-ce qu'il veut faire le kamikaze, le petit fifou là? Où est-ce qu'il se croit? On fait pas le kamikaze avec moi, hein. Tu joues pas au kamikaze avec moi, mon gars. Alors là, y'a rien. Allez, on va grimper du coup. J'aime bien cette petite musique là, cette musique calme. On va prendre cette porte. Au hasard, complètement. Le jeu est sur PlayStation 2. Mais il est possible que je n'y joue pas sur PlayStation 2. Mais j'en dis pas plus là-dessus. Débrouillez-vous. Oh, tant de mystère. Où suis-je? Je prends plein de portes au hasard et je me perds dans ce passage. Oula. Oula, 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 oula. On va faire une tension parce que si j'envoie un coup de boomerang dans le tas, ça va tous les énerver. Et je vais crever. Du coup, on va faire une tension et... T'as pas un objet de soin, toi? Ouais, vas-y, fais une herbe sur le héros. Voilà, parce qu'en fait, si je lance le boomerang, ça va tous les faire se retourner. Du coup, ça va doubler leur attaque. Donc, autant faire tension avant de lancer le boomerang et les one-shot, ce sera plus simple. Et pourtant, ils font mal, hein. Heureusement que j'ai pas lancé mon boomerang. Ouais, il y a un minimum de stratégie, parfois. Et heureusement que je ne suis pas stupide à ce point-là. Allez, on va faire une deuxième tension. On va lâcher un coup de tension avec Angus aussi. Et ensuite, on va attaquer au prochain tour. Ça va, je pense pas que Angus crève. Ah ouais, par contre, ils se mettent tous à l'attaquer juste parce que c'est lui qui a le moins de vie. Le pauvre. Oh, le pauvre. Ah, il a pris cher quand même. Hein. Allez, on attaque. Et Angus, tu vas attaquer. Bah, celui-là, tiens. Parfait. Alors, on a fait mal, hein. Tension, c'est puissant. C'est... Oula. Oh là là. Heureusement qu'ils sont... qu'il en restait qu'un seul à la fin, parce que sinon, là, on y passait. Fiu, fiu, fiu. Allez, niveau 9. Bon, on va se soigner, hein. On va tout de suite se soigner. Pauvre Yanguis, là, il a pris cher. Alors, Yanguis, il gagne toujours un nombre de points de compétences incroyable à chaque fois. C'est assez impressionnant. Je pourrais peut-être monter l'humanité, tiens. Je sais pas vraiment à quoi ça sert de monter cette compétence humanité. J'ai le guide officiel du jeu en fait qui explique ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai pas voulu le regarder pour pas me gâcher la surprise. Mais faudrait peut-être que je tente. Hop, on va utiliser une herbe. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Je sais... J'étais en train de me poser la question de voir, savoir si le jeu était ressorti en haute définition sur PlayStation 3, mais je crois pas. Je crois pas qu'ils aient fait une version haute définition du jeu. J'ai raté un truc là, c'est pas possible. Attendez, il y a quoi de l'autre côté là? Je comprends pas. Il y a une autre salle, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai dû rater un truc. Oh là 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 là, ouais, j'ai raté un truc. Attendez, on redescend, on redescend. Je vais peut-être me lâcher une petite fiole de... Bon, ah non, on va continuer à faire quelques combats. J'ai une fiole pour réduire le nombre de combats, en fait, qui nous tomberait dessus. Ah ouais, on fait du one-shot maintenant? Ouais, on est peut-être beaucoup plus... On est peut-être haut niveau par rapport aux monstres de la zone, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fait mal. Ça fait mal de faire du one-shot comme ça. Ouais, ce qui m'intrigue, c'est d'avoir raté cette zone à côté alors qu'il y a un escalier. Ça veut dire qu'on y accède par en bas et j'ai dû rater un truc en bas, en fait. Tiens, j'avais raté des tonneaux ici. Et je suis pas du genre à passer à côté de choses comme ça sans avoir tout fouillé. Hop, on va attaquer... Si Angus a fait une attaque pour attaquer plusieurs personnages, ce serait tellement pratique. Allez, les petits diablotins. Est-ce qu'il va faire le kamikaze? Oui, il fait le kamikaze. Mais il a encore raté. En fait, ils ont pas de magie. Il fait un sort, mais il a pas de magie pour le faire. C'est assez spécial comme idée, ça. Autre côté, cul-de-sac. Ouais, mais cul-de-sac égale trésor, souvent. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil à ce fameux cul-de-sac. 43 pièces d'or. Ouais, c'est surtout l'argent, en fait, qu'on ramasse qui m'intéresse. C'est pour ça aussi que je... J'ai pas trop envie de zapper les combats pour l'instant. Alors, comment on accède à ce cul de sac? On est en train de faire complètement marche arrière. Je comprends pas, on était 800
il y a 2 minutes et tout d'un coup on est passé à 1200. C'est bizarre là, la gestion des nombres de personnes sur Twitch TV. C'est vraiment bizarre. Mais bon, 1200 ça reste quand même pas mal. Surtout pour un vendredi soir avec... bah soit les gens sortent généralement le vendredi soir, soit... soit ils regardent Koh-Lanta tout simplement. Mais bon, moi ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de regarder Koh-Lanta. Je regardais quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que là ça m'intéresse absolument pas. Je tourne en rond, mais en fait non, parce que je reviens en arrière, donc je ne tourne pas en rond. C'est différent, je reviens sur mes pas. Ah, on me demande, enfin je crois que j'ai vu ça, je suis même pas sûr, mais bon, les commentaires passent assez rapidement. On m'a demandé si j'avais acheté Paper Mario 3DS, parce que je pense que la question est sortie, notamment parce que j'ai fait un let's play en live justement sur Paper Mario la porte millénaire. Et donc ce Paper Mario Sticker Star, je crois que c'est ça son nom, qui est sorti sur 3DS, c'est donc le Paper Mario le plus récent, on va dire, qui est sorti très récemment, je crois qu'il est sorti il y a 2 ou 3 jours, au moins qu'il soit sorti aujourd'hui, je sais plus, en tout cas il est vraiment sorti il y a peu. Oui, c'était complètement un cul-de-sac alors, il n'y avait rien du tout. Bon, je me suis bien fait avoir. Et non, je ne l'ai pas encore acheté. Ça a l'air assez spécial le système de combat dans ce jeu-là. J'ai vu qu'il n'avait pas en fait gardé le système de niveau. Donc je comprends pas l'intérêt de faire un RPG sans un système de niveau, c'est bizarre. Enfin, dans un RPG, ce qui nous pousse à faire des combats, c'est de monter de niveau pour améliorer la puissance de notre personnage. Alors faire un RPG où on peut pas monter de niveau, enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. Du coup, je pense que je l'achèterai, mais alors pas forcément tout de suite, hein. Pour l'instant, je vais garder mon argent, mais voilà, je pense que j'y jetterai un œil plus tard. Mais bon, s'il y en a parmi vous qui ont déjà joué, bah, je veux bien avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que ça m'intrigue, hein, ce système. Oh là là, on prend cher! Ils sont chiants, ceux-là! Faut qu'on se fasse une deuxième tension. On peut peut-être faire une défense, en fait, avec Angus. On va tester sa défense, tiens. On va voir ce que ça fait. Ça fait... Ah oui, ça réduit mes... Ah oui, oui, oh, c'est puissant, défense. Au lieu de se prendre 4 points de dégâts, on en prend plus qu'un. C'est puissant, en effet. Hop, attaquer. Ok, il en reste 2 en vie, ça va être chaud. Ça va être vachement chaud. Oh là là, crachage de feu. Aïe, 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 aïe. Allez, crève-toi. Non! Eh merde, ça y est, on a perdu un personnage. Ça, c'est carrément pas cool. Comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu en arriver là? C'est pas croyable. Comment on va faire pour s'en sortir? Est-ce que je continue jusqu'à arriver à la fin du donjon ou est-ce que je repars à aller soigner Yangus? Je sais pas. Il y aura peut-être un boss à la fin du donjon. Ah, je sais pas. En plus, Yangus, il crève à chaque fois. J'aurais dû lui acheter une armure. Il est trop nul, Yangus. C'est incroyable. Bon. On va tenter le tout pour le tout. On va continuer. Je vais claquer la fiole qui évite de faire des combats, on va éviter d'en faire un petit peu. On va éviter d'en faire tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai dit un petit peu, vu que maintenant on a plus qu'un seul personnage. Ah, j'aurais pas dû revenir en arrière. J'ai été trop curieux, et ça a causé ma perte. Bon allez, je pense qu'on peut y arriver. D'après mes souvenirs, le donjon est vraiment pas long, donc il y a sûrement moyen d'arriver à la fin et de ne pas mourir. Allez, on coupe à travers le mur, c'est vraiment la porte inutile pour le coup, mais bon. Autant le faire, on gagne 2 secondes, même pas. Je suis même pas sûr qu'on gagne quelques secondes étant donné qu'il y a le temps de l'animation qui doit se dérouler. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Encore un labyrinthe? On rentre? Allez, on rentre, on va voir ce qu'il y a dedans. Waouh, une prison, génial. Nous sommes en prison! Le coffre! Wesh! Je vais te prendre le coffre! Bouclier d'écaille! Alors. Ah bah ça m'intéresse ça. Yangus avait déjà un bouclier d'écueil, mais moi j'en avais pas. Transférer, on va le donner à notre personnage principal. Yeah, on va augmenter notre défense grâce à ça. J'ai bien fait de pas l'acheter en ville. Faut jamais acheter tout le stuff qu'on peut en ville, faut toujours garder un peu d'argent pour voir sur quoi on va tomber dans les donjons. Ça c'est la bonne astuce pour économiser ces petites pièces d'or. Oh là 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 là. Allez, tension.
Ils vont tous se mettre à nous attaquer en plus. Oh là là, ça va être chaud. Hein. Ça va être vraiment chaud de s'en sortir. Heureusement qu'on a monté un... ouais, heureusement qu'on a monté notre défense. Du coup, ça va, ils font pas trop mal. Ils font pas si mal que ça. Tension 20. Je pense qu'avec tension 20, il y a moyen de tous les tuer. Alors, on m'a déjà posé la question, est-ce que je connaissais Dragon Quest Monster Joker? Je vois pas trop ce que c'est en fait. De nom, je sais que je vois que... enfin, je vois un petit peu le type de jeu que c'est, mais alors j'ai jamais touché. Alors, est-ce que j'ai fait tension une deuxième fois là? Je sais plus. Bon, allez, on attaque. Ouais, c'est bon, j'avais fait tension une deuxième fois. Du coup, bah non, on peut pas vraiment dire que je connaisse ce jeu. Aïe, 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 aïe. Ce qui est gênant aussi, c'est qu'on attaque pas les premiers à chaque fois. Les ennemis sont encore plus rapides que nous. Donc c'est assez gênant ça. Hop, on va se soigner. Bon, on va utiliser notre magie. Magie, premier secours. Ah oui, si je veux, de toute façon, pour quitter le donjon, j'ai toujours le sort Evac, si jamais j'ai besoin. On fera ça pour ressortir, peut-être. Herbe curative, très bien. Très bien, très bien. On l'utilisera à la place de d'utiliser notre magie. Oui, Angus est déjà mort, hein, pour ceux qui arriveront en cours de route. C'est un véritable loser, je pense qu'on peut le dire. Non, mais c'est pas sa faute, il faudrait que je lui achète une armure plus puissante. Je pense que c'est pour ça. Oh, il fait nuit, tiens. Eh ben, et donc, le temps passe vite, on est rentré, il faisait jour, et maintenant il fait nuit. Y'a personne ici, tiens, d'ailleurs. Où est la fameuse Jessica? Ah, ça doit être la statue avec les yeux en émeraude, là, où je ne sais quoi, il y a... Et quelques personnes en ville qui nous ont parlé de cette statue. Donc, voyons voir ça. Les yeux de la statue sont sertis d'une paire magnifique... Non, d'une paire de magnifiques pierres scintillantes. Oh oh! Toi! Je savais que tu reviendrais pour les pierres! Tu as tué mon frère, vous allez maintenant subir le même sort! Je crois qu'il y a erreur sur la personne! Elle est malade, elle! Oh! Du calme! Quelle rapidité! Je suppose que c'est l'apanage de tous les bons voleurs, mais tu ne m'échapperas pas cette fois-ci. Prépare-toi! Ah! Mou! Qu'est-ce qu'elle nous fait, un Kamehameha? Attends! Oui. Jessica, c'est moi. Ne reconnais-tu pas ma voix? Alistair? Retiens ton sort, Jessica. Ce n'est pas lui qui m'a tué. Ah, c'est la statue qui se met à parler, je crois. Retenir mon sort? Mais c'est trop tard. Ah bah, bravo, elle est un petit peu impulsive. Impulsive, pardon, celle-là. Ouais, c'est ça, bouscule-nous. Alistair, Alistair, c'est vraiment toi? C'est bien moi, Jess. Tu dois m'écouter. Et tu dois aussi. Et toi aussi, voyageur. Après ma mort, une partie de mon âme a pu trouver refuge dans cette statue. Au moment même où je vous parle, la puissance qui me permet de rester ici commence à s'évanouir. Le temps m'est compté. Regarde dans les yeux de la statue. C'est là que tu trouves. Que se trouve la vérité. Vite. Le jour où je suis mort, la porte de la tour était déjà ouverte. J'ai trouvé que c'était bizarre, alors j'ai décidé d'aller voir par moi-même. C'est là que je l'ai vu. Ah ah, on va monter le son. Ah, ça a l'air d'être un petit peu buggé. À moins que ce soit normal qu'on n'y voit pas grand-chose. Ça rajoute du suspense, vous voyez. On ne sait pas qui l'a vu. Mais bon, je suppose qu'il parlait de Dulmagus. Qui êtes-vous? Suspense. C'est vraiment regrettable. Regrettable, mais de quoi parlez-vous? Qui êtes-vous? Répondez. Moi, je suis Gulmalgus, et je parlais de la fragilité de la vie humaine. La fragilité? Que voulez-vous dire? Mon épée! Je ne peux pas dégainer mon épée! Oh, mon dieu, mais c'est horrible, ce bug graphique. Je disais, c'est vraiment regrettable qu'un jeune homme brillant comme toi tombe sur moi. Bon, je vais vous décrire l'action. Alors là, Gulmalgus prépare un sort pour buter le gars. Ah! Que m'avez-vous fait? Il s'approche pour se moquer un petit peu de lui. Dulmagus, je n'oublierai pas cela. Quoi? Tu n'oublieras pas mon nom? Trop aimable. J'en ferai de même, je me souviendrai du tien, moi aussi. Finissons-en à présent, avant que je ne trouve cela encore plus regrettable. Dulmagus! Et là, il meurt. En fait, c'est censuré. C'est pour pas qu'on puisse voir la mort du gars.
Alors je comprends pas pourquoi on a eu ce petit bug là tout d'un coup alors que toutes les cinématiques fonctionnaient depuis le départ, mais bon. On va dire que c'est fait exprès. J'ai été honoré de faire ta connaissance. Sache que ta mort ne sera pas inutile. Ah, pourquoi pas. Ceci était un rire diabolique. Et là, il s'en va. Parce que c'est un méchant. Et on entend l'éclair. Parce que les méchants font des éclairs. Ça y est, c'est fini. Et maintenant que tu as vu ce que la statue a vu, ami voyageur, moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Bah normal, on n'a rien vu du tout, en fait. Mais il semble que la statue d'Alexandra attendait ton arrivée. Si le souvenir de mon histoire pouvait te servir pour ta quête, cela serait un grand soulagement pour mon âme. Mon séjour ici touche à sa fin. Il est temps de nous séparer. Ça la rend triste. Non, Alistair, ne me quitte pas. Une dernière chose, Jess. Notre mère pourrait essayer de se mettre en travers de ton chemin. Cependant, suis ton cœur et fais ce que tu dois faire. Adieu, ma petite sœur. C'est trop triste. L'esprit de son frère qui s'en va donc de la statue. Après s'être fait donc tuer par Dulmagus, le méchant qui a transformé et détruit le royaume de Throd. C'est vraiment un vieil enfoiré celui-là, hein. Et je pèse mes mots. J'ai tout vu. Cela ne fait aucun doute, il s'agit de là d'une perfidie de Dulmagus. Il semblerait qu'Alistair souhaite aussi que nous le vengions de Dulmagus. Son sacrifice ne sera pas vain. Maintenant, nous avons une raison de plus pour mettre un terme au règne de terreur de l'infâme Dulmagus. Je vous attends près du chariot. A tout à l'heure. Bien, Pépé Yoda. Ton intervention était inutile. Ça va, ma petite ? Jessica s'assit par terre et pleure sans faire de bruit. Je crois qu'elle ne va pas très bien. On va la laisser toute seule avec son demi-frère. Non, n'importe quoi. Son frère, je sais pas pourquoi dans ma tête c'est son demi-frère tout d'un coup. Oui. Je dois vraiment m'excuser pour mon comportement. Nous parlerons de tout ça plus tard. J'ai besoin de rester seule pour l'instant. Je vous retrouverai au village. Oh, elle est trop triste. Au revoir. Bon, au moins on l'a secouru de... En fait, ça a servi à rien, là. Ça a servi complètement à rien. Elle pouvait très bien s'en sortir toute seule, elle savait faire des sorts et tout. Pourquoi on est venu là, franchement? Bon, au moins on a assisté à une magnifique cinématique haute en couleur. Couleur marron, surtout. Là, on va quitter la zone, hein. On va éviter de faire des combats. C'est parti pour une évacuation éclair. En tout cas, en effet, elle a l'air de savoir se défendre, hein, la petite. Je sais pas si elle va elle aussi vouloir se venger de Dulmagus, mais peut-être que c'est possible qu'elle rejoigne notre équipe, qui sait. Qui sait. Puis moi je suis pas contre une petite présence féminine après tout. Ça peut servir hein, pour faire la cuisine. Oh là là, ça y est, c'était la blague machiste du jour. Hop, utiliser Alexandria. On va retourner en ville. On va essayer de ressusciter ce pauvre Yangus qui est mort comme une vieille crêpe, comme une vieille chaussette. Ah oui, la nuit, il n'y a pas les marchands, tiens. Bon. On va ressusciter Yangus, ensuite on passera en jour. On ira faire 2-3 emplettes et on retournera donc au manoir de la famille Albert pour aller voir si Jessica est donc de retour là-bas. Et donc on va encore devoir payer pour ressusciter ce pauvre Yangus. C'est n'importe quoi. Mais je vais pas ressusciter Frigia, la boutique. Merde, j'ai pas envie d'être purifié non plus. Qu'est-ce qu'il a ce prêtre là à me parler de tout n'importe quoi? Tu vas te concentrer, vieux prêtre. 50 pièces d'or. Bon, allez, c'est parti. Vraiment, c'est parce que je t'aime bien, mon gars. Esprit de Yangus, revenez parmi nous. C'est bon, il est revenu à la vie. C'est génial. Oui, je prends soin de moi. Oui, j'irai pas me coucher trop tard pour prendre soin de moi. Y'a pas de souci, mon gars. Non mais oh, tu te prends pour ma mère ou quoi? Tu connais Zelda Phantom Hourglass? Ouais, je connais. Peut-être qu'un jour je le ferai en let's play, mais c'est pas pratique parce que c'est un jeu DS, donc c'est pas pratique. Pourquoi je peux pas aller dans l'auberge? Tu vas m'expliquer ça, mon gars?
Oh, vous êtes revenu, vous étiez parti depuis une éternité. Oh, ça va, ça fait un jour. J'ai commencé à me faire du souci. Elle est où, Jessica? Vraiment, vous l'avez vue dans la tour? Eh bien, c'est pas brillant, mais je suppose que si elle a dit qu'elle allait revenir, alors on doit s'en contenter. Merci de ton aide, Frigiel. Tu as d'abord été un peu casse-pied, mais je crois qu'on peut dire que tu es assez sérieux. Ah oui, j'allais oublier, j'ai demandé à l'auberge s'il y avait une place pour vous cette nuit. Frifi et moi... Non, Fifi et moi, non pas Frifri. On a mis en commun notre argent de poche pour payer la nuitée. Ah bah cool, c'est gratuit. C'est toujours mieux quand c'est gratuit. C'est parti, on va en profiter. On va prendre le petit déjeuner gratuit et tout, ouais. On va faire la grasse matinée, ouais. C'est ça, vas-y, j'ai envie de me reposer. Et l'autre est toujours en train de taper sur sa casserole, là. Ce jeu est l'un de tes jeux préférés? Ben oui, sinon je le ferai pas en... Je le ferai pas en live, sinon. Ça coule de source. J'ai raté un truc à côté de l'église? Non, je crois pas. Hein. J'ai vraiment fouillé la ville, ça m'étonnerait d'avoir raté un truc. Oui, j'ai bien dormi. Qu'est-ce qu'ils ont tous à espérer que je me porte bien, que j'ai bien dormi? Ils sont trop gentils. Ils sont tous trop gentils. Je ne le mérite pas. Je suis un mauvais garçon. Punissez-moi. Ah, j'adore cette musique. On va essayer de vendre ce qu'on a en double. Notamment le bouclier, peut-être un autre truc, je sais plus. Je crois qu'on a ramassé quelques objets. On va tout vendre, on va voir combien on a d'argent. Oui, voilà, j'ai la tunique en double. 15 pièces d'or. Le bouclier. 35 pièces d'or, c'est pas mal. On va vendre. Ça, c'est bon. Boutriche lunaire. On va en garder une. Hop. Ça peut servir. Ah oui, le fromage, tiens. C'est un truc qui sert à rien qui se vend 25 pièces d'or. Autant le revendre. Enfin, c'est pas inutile, mais bon. C'est bon, ouais. Disons que c'est pas l'objet le plus puissant du monde non plus. Et bon, bah les herbes curatives, on va les conserver. Alors, est-ce qu'ils vendaient des armes intéressantes? Je crois que j'ai acheté une hache déjà pour Yongus, donc c'est bon. On va plutôt regarder au niveau des armures. Vend Yongus, ouais. Je pense que ce sera plutôt profitable de le vendre, étant donné l'argent qui nous fait dépenser à chaque fois à force de mourir. Tiens, des armures en écailles. Ça m'intéresse, ça. Ouais. On va acheter une herbe de chimère, vu qu'on en a plus. On va la mettre dans le sac. Voilà. Et bah, on va peut-être acheter... Ah, c'est cher tout ça. Bon, allez, on achète. Pour Frigiel, hop, une armure. Et pour Yongus, un kilt en cuir. Pourquoi pas, il sera sexy avec son petit kilt. Tiens, vas-y, équipe-le. C'est vrai que vous avez vu ça, ben, Yongus a 10 points d'armure que moins que... 10 ou 20. Ouais, une dizaine de points d'armure que moins, de moins que notre personnage principal. C'est pour ça qu'il... J'en veux pas ton armure, qui crève aussi facilement. Parce qu'il manque de défense, tout simplement. Hop, on va vendre ça aussi. Ah, les armures se voient sur nos personnages? Non. Sauf certaines armures, mais pas celle-là, en fait. Il y en a quelques-unes qui peuvent changer l'apparence de notre personnage, mais celle-là, non. Je sais plus lesquelles, en fait, permettent de changer l'apparence de nos personnages. Mais je sais que ça existe, en tout cas. Bon, on va aller voir au niveau du manoir de la famille Albert. On est bientôt 1500. Ça augmente, c'est incroyable. Ça doit être le bug graphique, ça a intrigué les gens, ça a attiré du monde. Atomium ou Frigiel? Bah, vous pouvez toujours aller voir le live d'Atomium, vu que pour ma part il y a une rediffusion, mais bon, moi je suis bien là, je compte pas m'arrêter avant 22h30, peu importe qu'il y ait d'autres gens qui sont en live en même temps. Puis si je pense que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous aimez bien ce jeu là autant que moi, je suppose. Jessica, où es-tu ma belle? Elle est là. C'est vrai que pour le coup, elle est pas si mauvaise que ça, quoi. Hein, je pense qu'on se comprend. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle est en train de s'engueuler avec sa mère. Restez en dehors de cela. C'est une affaire de famille. La dame s'occupera de vous dans quelques instants. Qu'est-ce que t'as, le gars? Face de troll. Je vais te le demander à nouveau, Jessica. N'as-tu donc aucune compassion? Ne vas-tu donc pas pleurer la mort de ton propre frère? Oh, ça va pas recommencer! Bien sûr que je suis triste, c'est incroyable que je dois même le dire. Mais tes seules préoccupations, ce sont la tradition et les obligations familiales. Moi, je parle de venger sa mort. Venger? Veux-tu bien cesser ces bêtises immédiatement? Tu es une jeune fille, pas une guerrière. Crois-tu vraiment que c'est ce Callister aurait voulu? Tu vas porter le deuil en vraie demoiselle. Tel est l'usage dans notre famille. C'est ainsi que ça se passe? Mais qui s'en soucie? Je m'attends pas à ce que tu me crois, mais Alistair m'a parlé. Il m'a dit de suivre mon cœur.
C'est pourquoi ma décision est prise. Je me fiche de ces... Non, des conséquences. Oui, quand je m'énerve comme ça, enfin, j'essaie de faire l'énerver. Du coup, j'ai du mal à lire. Je ferai payer le meurtrier d'Alistair. Très bien. Je vois qu'il n'y a aucune discussion possible. Fais ce que tu veux. Mais... En ce qui me concerne, je n'ai plus de fille. Je veux que tu quittes immédiatement cette maison. Très bien. De toute façon, j'avais prévu de partir jusqu'à ce que tu retrouves la raison. Eh ben... Ça, c'est de l'engueulade, hein. Harry, Fifi, laisse-moi passer. Je dois prendre mes affaires. Bon. Alors, en tout cas, elle a l'air décidée. Oh oh, elle s'est changée assez rapidement, tiens. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit la vérité avant. Vous me pardonnez? Tu pars pour de vrai, Jessica? Oui, et je veux que tous les deux vous veillez sur le village pendant mon absence. Alistair a dit que cela allait arriver. Il a dit que vous alliez protéger la ville tous les deux et que vous alliez devenir de célèbres guerriers. Oh, ils sont tristes. Allez, courage. Vous n'avez plus à garder ma chambre. À partir de maintenant, je veux que vous alliez patrouiller dehors. À vos ordres. Oh. C'est trop triste. Et pendant ce temps, tous les gens du live sont en train de regarder la poitrine de Jessica. Mais les gens, c'est un instant triste. Faut pas parler de poitrine, vous êtes fous. Eh bien, je m'en vais. Merci d'être une aussi gentille maman. Bonne continuation. Eh ben, ça c'est de l'au revoir. Ça c'est de l'au revoir. Eh, attends, il te barre pas sans moi, eh oh, oh, reviens. Ça te dirait pas qu'on parte ensemble? Oh, oh, t'es où? Elle s'est barrée sans moi, hein. Oh, mais c'est quoi cette arnaque, là? Et où est-ce qu'elle est? Bon, on va aller voir ça. Faudrait qu'on arrive à la rattraper avant qu'elle parte toute seule. Et sinon, qu'est-ce qu'ils ont à dire, nos compagnons? Je leur parle jamais, tiens, c'est vrai. Mais c'est vrai que si je me trompe de touche, je risque pas de réussir à leur parler. C'est quelle couche déjà pour leur parler? C'est pas X, non, X c'est la carte, c'est pas B. C'est pas Y. C'est Start, mais oui c'est Start, hein, bien sûr. Elle est pas facile, hein, cette Jessica, pour sûr. Un caractère de chien, ça revient à vous mordre les fesses. C'est ce que ma maman me disait toujours, je le dirai à Jessica la prochaine fois. Caractère de chien, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu le cas. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez tous à vous extasier devant cette pauvre Jessica? Elle vient de perdre son frère, les gens. Bon, on va sortir, hein, on va voir si on la croise. J'ai dû rater un truc, là. Il me semblait que normalement, on la croisait. Bon, bah c'est pas grave. On va se barrer sans elle, après tout. Si elle a décidé de se venger toute seule, hein. C'est son choix, on va pas l'en empêcher. Nous, on va continuer notre aventure, on va explorer cette contrée magnifique. En parlant d'exploration, je suis curieux d'aller voir un petit peu ce qui se cache vers la gauche. Et notamment, il y a ce taureau là. Est-ce qu'on essaie de l'avoir, le taureau? J'ai peur qu'on se fasse défoncer. Parce que c'est un ennemi spécial, étant donné qu'on arrive à le voir sur la carte. Bon, allez, on va tenter de le faire. On va tenter de bousiller ce petit taureau. Buffalo Bill. Aptitude, on va faire des coupes gorge. Et tension avec Yongus. Ouais, ça fait 16 points de dégâts. Là, ça fait mal. On va se soigner. On va se soigner. 21 points de dégâts à l'attaque, ça fait mal. Hein. Yongus, il va continuer à faire tension jusqu'à qu'il arrive à tension 50. Oh, heureusement que je me suis soigné. Ah, c'est drôle, le changement d'apparence du visage du personnage en fonction des dégâts qu'il subit. J'avais pas remarqué ça depuis le début. Tu trouves pas dommage que les autres Dragon Quest n'ont plus l'humour sexy d'Akira Toriyama? Akira Toriyama, il a simplement fait les designs des personnages, hein, donc rien à voir avec l'humour. Mais les autres Dragon Quest sont sympas quand même. C'est vrai qu'il y a pas ce même côté, ce même peut-être attachement avec les personnages, mais ça reste des jeux sympathiques, hein. Je sais pas s'il a beaucoup de vie celui-là. Je sais pas si Yongus va l'exploser en un seul coup maintenant qu'il a fait tension. Tension 50, on va se soigner. Oh là là, j'espère juste qu'il va pas me tuer là. Hop, attaquer. Ouf, 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 j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Youpi, un message en japonais dans le chat. 119 points de dégâts. Ça fait mal.
On va essayer de l'achever maintenant. Avec brise-casque, c'est parti. J'espère qu'il va mourir ce tour-là. J'espère qu'il va mourir. Yes, il est mort, parfait. Sinon, il nous tue au prochain tour, ça aurait été gênant. Bon. On a gagné si peu de points d'expérience, il était puissant pourtant celui-là. Il était assez puissant, hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Il nous a causé quelques petits soucis. J'ai failli mourir à 2 points de vie près. Mon Zelda préféré, je dirais que c'est Twilight Princess. Même si j'aime tous les jeux Zelda, donc... c'est difficile de faire un choix, mais je pense que Twilight Princess, ouais, c'est peut-être mon préféré. Il n'y a rien par ici. On va explorer un petit peu, on va voir s'il n'y a pas un coffre... un coffre caché. Je sais plus si les coffres... Ah, il y a un coffre là-bas. J'allais dire si les coffres sont affichés sur notre carte, malheureusement. On n'a toujours pas la carte du monde, mais... J'ai eu une bonne intuition de vérifier par là. 100 pièces d'or. Bon, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Est-ce que tu comptes revenir un jour sur le saga Kingdom Hearts? Oui. Je compte bien sûr faire un let's play sur Kingdom Hearts 3 lorsqu'il sortira. Et bah, j'ai bien envie de jouer de mon côté à Chain of Memories, vu que j'y ai pas joué en fait encore à ce jeu-là. Mais bah, je pense pas le faire en live, de jouer à ce jeu-là. Mais ne vous inquiétez pas que lorsque sortira Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 3 tout simplement, je serai là pour faire un petit let's play sur ce jeu, qui risque d'être vraiment assez sympathique, ça c'est sûr. Bon, les archers, je crois pas qu'ils soient si puissants que ça. Ouais, voilà, ils sont pas si forts. On leur fait vraiment mal. Là, je suis en train de me dire que heureusement qu'on a acheté l'armure avant d'attaquer Buffalo Bill, parce que sinon j'aurais pris cher. Sans l'armure en écaille, j'aurais pris vraiment très cher. Faut que je rebaisse le son du jeu, tiens. Ça doit être beaucoup trop fort chez vous. Je suis désolé, j'ai oublié de le baisser depuis la cinématique. Mais bon, ça devait pas être si gênant que ça, mais c'est vrai que je sais que, par expérience, c'est... Quand le son est trop fort, c'est pas vraiment super. Regardez, il y a la plage. On change un peu d'ambiance, tiens. Bon, on va essayer d'aller voir ce qui se trouve sur cette plage, hein. Est-ce qu'on peut passer par là? Il y aura peut-être des coffres, des monstres, d'autres trucs comme ça, après tout. Comment il s'appelle lui? Méduse? Waouh! Mais c'est vraiment original, le nom des monstres, c'est incroyable. Ça doit me rendre un petit peu mieux en japonais, parce que là, c'est assez ridicule, hein, la traduction du nom des monstres. Bon, en tout cas, il était pas très fort. Oui, on peut en effet passer par là. On a accès à la plage, maintenant il y a peut-être un coffre là-bas dans le coin. Non. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Ouais, vaguement. Je pense pas qu'on puisse nager non plus, faut pas exagérer. Ah, il y a un truc là-bas. J'ai l'impression d'avoir... Oh, qu'il est moche, lui. Qu'il est moche! Ouf, putain, 10 points de dégâts, ça fait mal, ça. Wow! 20 points de dégâts? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est aussi puissant? On va se soigner, hein. Premier secours, Frigiel. Oh, il fait mal, celui-là. Aspire magie. Il vole ma magie en plus, mais... Oh là là! Ça, c'est pas cool. Fais gaffe, ils font mal ici. Bah ouais, je me rends compte de ça. Ouais, ils font mal, hein, pour le coup. Alors, fait 20 points de dégâts en une seule attaque. S'il y en avait eu plus que... Bah là, il y en a eu qu'un seul. Mais si j'étais tombé sur 3 fois ce monstre-là, j'aurais eu du souci à me faire dans ce cas-là. J'ai plus que 11 points de magie à cause de lui. Oh, il est chiant. Ouais, c'est un petit chat, ça. Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit chat? Coucou. Ah, mais non, c'est un chien. Oula, faudrait peut-être que je m'achète des lunettes, hein, pour confondre un chat et un chien. C'est qu'il doit y avoir un souci. Oh, encore un petit monstre. On va se le faire, lui aussi. Hé hey. Oh, il y en a deux. C'est la cata, les gens, c'est la cata. Coupe-gorge, Yangus, brise-casque. C'est sur le premier, tiens. On va essayer de lui faire le plus de dégâts possible. Aïe, ça va faire mal, là. Là, ça va faire très mal. Ouais, on a diminué sa défense de 18. C'est pas si mal que ça, hein, mine de rien. Ça y est, j'ai plus de magie, je peux plus rien faire avec. Je vais être obligé de me soigner avec mes herbes, maintenant. Allez, un au moins. Ils font mal, mais c'est un bon endroit pour monter de niveau. Ouais, possible. C'est vrai. Mais, oh non, on a raté notre attaque. Aïe. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas tellement besoin de monter de niveau. On est au niveau requis, on va dire. Aïe, ça va. Ça, c'est chiant, ça. De rater nos attaques comme ça.
Allez, vas-y, vole-moi le peu de magie qui me reste. Qu'est-ce que sont chiantes ces écrevisses. En plus, on dirait qu'elles nous narguent là avec leur sourire. Oh là là. Bon, 62 points d'expérience. Super, allez, on va soigner avec nos herbes. J'en ai plus que 3, c'est la galère. Faut qu'on arrive à la prochaine ville avant de tout utiliser. Bon, lui, on va se le faire, on va se venger sur, sur cette méduse là. Yata! À l'attaque! Médecin! Le médecin, attention! Ce n'est pas n'importe qui. On va faire tension 20. Et on va faire un coup de brise-casque. Brise-casque, ça coûte... Ah ouais, c'est gratuit comme attaque. Bah, je devrais le faire à chaque fois, tiens. Ça coûte aucun point de magie, en fait, de faire cette attaque brise-casque. Voilà, on lui réduit sa défense et il va prendre cher à la prochaine attaque avec... Oh, il fait pas mal, tiens. Avec le fait qu'on utilise la puissance tension. On va faire une attaque... coupe éclair, allez, on va tester ça. En espérant que cette fois-ci, ça passe. Mais non, je vais pas mourir. Mais non, vous me sous-estimez. Bim ! 0 points de dégâts. Coupe éclair, c'est vraiment nul, hein. C'est vraiment ridicule. On va tenter une deuxième fois, mais alors là... Oh, one shot. Il avait pas de vie, tiens, lui. Il avait vraiment pas de vie. Mais on a gagné un monstre sous. Ça valait le coup de l'attaquer. Prends le coffre et retourne à la ville. Mais non, vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Une graine de force. On va utiliser nos graines, tiens. Graine de force, j'en ai 2. Allez, Angus. Tu vas devenir plus fort. Je sais pas pourquoi je donne des graines de force à Yangus, mais je sais pas. Une intuition. Vu qu'il a l'air balèze, j'ai envie de le rendre encore plus balèze, en fait, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a une ville bientôt, à mon avis. Peut-être une ville portuaire, étant donné qu'on est à côté de la mer, je ne sais pas. Le souci, c'est qu'on a toujours pas de carte, donc on n'a pas d'informations. C'est vrai que là, je suis en train de me balader sans savoir où je vais. C'est bizarre, ça. Pourquoi je vais vers là-bas? Je suis même pas sûr que ce soit le bon endroit. Dans le pire des cas, on aura débloqué la zone et on pourra s'y retéléporter. Au niveau de la prochaine ville, aptitude... On va faire des attaques normales. Non, mais je pense vraiment qu'on devrait arriver en ville en un seul morceau. Bah, je peux aller chercher Jessica, j'aimerais bien, mais je sais pas où aller, donc... Va voir la mère de Jessica. Mais non. Mais non. Bon, on reviendra en arrière s'il faut. C'est pas grave. Niveau 10 ! Plus 3 en force. Oh, on gagne pas mal en fait à chaque fois qu'on monte de niveau. On peut se téléporter dans la ville, donc y a pas de souci. Hein. On a le droit de s'autoriser une petite exploration comme ça. Après tout, si j'ai acheté une aile de chimère, c'est pas pour rien. Il y avait peut-être un autre truc en bas. Mais bon, vu qu'il y a les écrevisses méchantes, là, on va pas y retourner tout de suite. On va plutôt aller voir ce qui se cache dans cette zone-là. Bon, y a peut-être un truc là-haut aussi. Je suis tenté d'explorer, mais bon. On va essayer de rejoindre la prochaine ville le plus rapidement possible avant de se mettre à explorer. Ouah, c'est loin. Allez, on peut le faire. Fallait monter mon courage. Je sais pas. Ouf, ils ont l'air méchants ceux-là, tiens. Je sais pas si c'est si puissant que ça, courage. Ah, j'ai plus de points de magie. On va attaquer le premier au cas où il soit pas mort. Oh là là, on va galérer là. On va commencer à galérer un petit peu. 6 points de dégâts, 11 points de dégâts avec l'attaque de sort du chat. Et lui, il s'amuse. Il se moque de nous, lui. C'est pas le moment de s'amuser là. Je me demande vraiment si je vais réussir à arriver à un seul morceau au niveau de la ville en fait, au final. Ah là 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 là. Allez, on tente. Hein. On peut le faire. Mais non, pas besoin de faire tension. Pas besoin de faire tension. Enfin, le tension, c'est plus pour les boss, en fait. On va se soigner, encore une fois. Il me reste combien d'herbes? 3 herbes. Hein. Bon, allez, une herbe sur le héros. Une herbe sur Yangus. Je dirais que je peux faire encore 3 combats avant d'avoir du souci à me faire. Espérons que la ville soit derrière cette colline. On va rester sur la route aussi pour faire le moins de combats possible et essayer d'arriver avant la nuit, parce que la nuit, les ennemis sont plus puissants. Il y aura combien d'épisodes? Boah, je sais pas, beaucoup. Il y a une porte là-bas, tiens. Il y en aura beaucoup, peut-être bien une cinquantaine, hein,
après tout. Vu que le jeu est assez long. Il y en aura beaucoup plus que Paper Mario, en tout cas. Oh, ça va, ils sont simples, ceux-là. Bon, c'est bon. On devrait arriver en un seul morceau au niveau de la ville. Ça y est, les ennemis font du tension, maintenant. C'est quoi, ce délire? Un point de dégâts. On me demande si je comptais acheter la Wii U, mais j'ai déjà répondu à cette question, en fait, dans le live précédent. Et la réponse est simple, c'est pas pour l'instant. Il y a rien qui m'intéresse dessus. Allez, triple! Triple combo! Et Angus, c'est quand que tu décides à monter de niveau? On a pris une avance... une avance assez incroyable avec le héros comparé à Angus en termes d'expérience, ça me gêne un peu tout ça. Alors, c'est quoi cet endroit? Ah, une ville! Bon, ça fait plaisir. Il y aura pas une auberge dans le coin? Pour se désaltérer et se reposer un petit peu? Aile de chimère, très bien. Le genre d'objet qui peut toujours servir. Graine de sagesse, bon ça je sais pas ce que ça augmente. Hein. Et une herbe médicinale. Alors mon gars, où est-ce qu'on est, tiens? Tu vas nous l'expliquer tout de suite. Tout est prêt à partir. À part le bateau lui-même. Je me demande bien ce qui se passe. D'accord, il y a un bateau qui va partir. Mais pourquoi donc? On vient juste d'arriver. On va pas prendre le bateau déjà. Toi t'as rien d'intéressant à vendre, donc ciao. Et toi là, t'auras pas des bonnes armes ou de bonnes armures à me vendre? Oh oh, regardez-moi ça. Lance en fer. Une faux de fermier. Ouais non, non, ils vont pas vraiment des trucs très intéressants. On va vendre nos monstres aux sous. Voilà, hop, ça nous fera 400 pièces de plus. C'est pas rien. Allez hop, on a 1200 pièces. Bon bah la prochaine fois qu'on aura un truc à acheter, on pourra le faire sans aucun souci. Ah, le puits! On va passer au niveau du puits. Alors, on me demande vraiment des questions sur les lives de World of Warcraft. Je peux pas vous dire, hein. Je peux pas vous dire. Ce sont des lives détente, donc je lance ça sous un coup de tête. Donc je ne peux pas vous prédire si un jour je ferai des lives dessus et sur quoi ce serait. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est un gentil monstre? Je suis si malheureux. L'eau d'un puits, ce n'est pas comme l'eau de mer. Ce n'est pas agréable de vivre ici. Non, pas agréable du tout. Je me sens pas bien. Pourquoi je retourne pas à la mer? Eh bien, ce n'est pas si simple et c'est pour ça que je me sens si perdu. C'est le patron, c'est le meilleur patron de tout l'océan. Mais dernièrement, il s'est mis à se comporter bizarrement. Avant, il était toujours si gentil. Mais là, il est tout le temps en colère. Il nous fait froid dans les tentacules. Il m'a même chassé uniquement parce que je salivais un peu trop devant sa nourriture. Le patron des océans. Ça doit être un gars balèze, hein. Le genre de gars qu'faut pas trop énerver. Allez, on va se prendre une chambre à l'auberge. Oh, le pauvre petit monstre. Vous avez raison. Un peu de pitié envers ce monstre. Je veux passer la nuit, ouais. Comme ça, on reprendra deux jours, ce sera plus sympathique, vu que là, de toute façon, la nuit s'annonçait. Tu aimes quoi dans les RPG? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Bah, j'aime que ce sont des jeux... Bah, j'aime bien le système de montée de niveau, de faire des combats et tout ça, c'est assez sympa. Mais c'est souvent l'histoire, en fait, qui rend un RPG intéressant. Et là, pour le coup, bah, l'histoire est assez sympa, mais c'est surtout, en fait, les personnages qui sont sympathiques. Donc voilà, c'est vraiment un RPG très très sympathique, pour le coup, celui-là. Le navire dans les dunes. Un soir, là, et découragé, alors que j'arpentais le monotone désert, je suis tombé par hasard sur l'épave d'un navire. Pourquoi avait-il été abandonné si loin du rivage? À l'époque, je ne suis parvenu à aucune réponse satisfaisante, et encore aujourd'hui, je me pose la question. Les anciens navires pouvaient-ils voguer sur la terre comme sur les mers? Je ne cesserai jamais de m'interroger sur cette découverte inopinée et mystérieuse. Un navire dans un désert? C'est spécial. Ça me fait penser au navire dans Skyward Sword, qui est lui aussi dans un désert. Bon. On n'a pas trop d'infos encore sur cette île, là-bas. C'est l'église, donc on va pas y aller. Lui, on lui a pas parlé encore. Cet endroit a été bâti par la célèbre famille Albert d'Alexandria. On travaille tous pour eux. Et bien entendu, la plus célèbre d'entre eux est mademoiselle Jessica, la femme dont rêvent les marins. Elle est en ville en ce moment même, vous savez? Ah bah voilà, enfin une information intéressante. Enfin une information intéressante. Eh, c'est quoi ça? J'ai raté ce... J'allais dire j'ai raté cette boutique, mais non, ce n'est pas une boutique. Bonjour, jeune demoiselle. Les compétences, ce sont les nouvelles techniques que vous apprenez. Ce sont des découvertes, ce sont des souvenirs que vous engrangez au cours de ce passionnant voyage que l'on appelle la vie. C'est génial.
Description des compétences, point pour niveau suivant. Du niveau de compétence, de qui souhaitez-vous entendre parler? Oula, ça a l'air super complexe. Boomerang, vas-y. Votre compétence boomerang est actuellement au niveau 2 sur un total de 10. Oui. Ah, si je mets encore un point dans la compétence boomerang, j'aurai... Non, j'aurai une amélioration de mes attaques au boomerang, je crois, si j'ai bien compris. Bah, ouais, en fait, on peut avoir des informations assez intéressantes avec elle, donc attendez, on va voir ça. On va voir ça, on va essayer d'obtenir quelques petites informations. On est bientôt 1600 sur le live, c'est incroyable. Alors, décris-moi des compétences, du style... Courage, à quoi ça sert? Le courage reflète votre bravoure. Non, sans blague, sans blague! C'est votre aptitude à tenir bon dans l'adversité, même si votre ennemi est un redoutable, et même si vous faites face à un cruel dilemme. Quand le courage augmente, l'aptitude à lancer des sorts de foudre et de guérison propres au cœur vaillant augmente aussi. Ah, on débloquerait des sorts de soins plus puissants avec courage? Une épée placée dans la main d'une personne vraiment courageuse devient une épée de fureur dévastant tout sur son passage. Ah là, d'accord. Donc il semblerait qu'en fait pour débloquer l'attaque la plus puissante de notre personnage, il fallait monter en fait la compétence à l'épée et la compétence au courage. On va voir ce qu'elle a à nous dire par rapport à la compétence de Yangus. Du coup en fait elle nous incite à monter notre compétence à l'épée, hein, c'est ça. J'ai pas envie de me battre à l'épée moi, j'aime bien mon petit boomerang. Ah, cruel dilemme. Yangus, il a humanité, vas-y. Dis-nous à quoi ça correspond. L'humanité correspond à votre empathie pour vos pairs, c'est votre aptitude à encourager les autres quand ils en ont besoin. Quand votre compétence humanité augmente, vous apprendrez des aptitudes telles que danse du caleçon. Danse du caleçon, mais ça c'est une attaque de la mort qui tue. Vous apprendrez aussi des nouveaux sorts qui vous permettront de donner vos propres PM à d'autres lors du combat. Bon, ça peut être intéressant. Vous maîtriserez aussi une palette de sorts simples mais importants qui vous permettront de protéger les membres de votre équipe. Au plus haut niveau de cette compétence, vos aptitudes vous permettront de faire appel à des ressources invraisemblables. Bon. Ça a l'air assez puissant. Ouais, vous êtes certain à me dire qu'en effet, si j'arrive à monter 100 à l'épée et au courage, j'aurai une attaque de la mort qui tue. Mais je vais continuer à monter le boomerang. Et puis tant pis, j'ai envie de jouer au boomerang, donc je jouerai au boomerang, tout simplement. Pourquoi t'es tout seul, toi? T'es puni? Bonjour, bienvenue à Port-Espérance. Je suis ici pour vendre des herbes. C'est une dealeuse, elle vend de l'herbe. Non, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Trouve-toi un autre client. Je ne suis pas de ce monde-là. Oh là là. Elle était mignonne, hein, mais bon, le fait que ce soit une dealeuse, ça va pas changer, qu'elle soit mignonne ou pas. Jessica! Je t'aime, mon amour. Viens me voir. Je n'ai pas de temps de discuter. Je veux prendre la mer maintenant. Excusez-moi, mademoiselle Jessica, mais la mer est tout simplement trop dangereuse pour le moment. Vous n'avez pas entendu? J'ai dit que c'était mon affaire. Pardonnez-moi, mais la famille Albert me ferait payer très cher si vous arrivez malheur. Y a-t-il personne ici qui ait la moitié d'un cerveau? Si, moi. J'ai la moitié d'un cerveau, moi. Ah, quand on parle du loup. Youpi, elle nous a remarqué. Vous êtes le voyageur de la tour. Vous avez-je pas dit de m'attendre à Alexandria? Je voulais vraiment vous présenter mes excuses. Enfin, je suis heureuse que vous soyez là maintenant. En fait, j'ai un service à vous demander. Ah, mais tout ce que tu veux, ma mignonne. Est-ce que vous voulez bien venir parler une minute? Oui. Alors, vous dites que vous ne laisserez pas combattre le monstre marin? Eh bien, oui, mais je veux dire... Très bien, pas de souci. J'ai demandé à ces solides gaillards de s'en occuper pour moi, c'est d'accord? Très bien. En fait, on cherchait nous aussi quelqu'un pour s'en charger. Bon, bah super. Eh bien voilà, tout le monde est content. Je peux compter sur vous alors. Ouais, allez, pourquoi pas. Je sais pas du tout de quoi vous parlez, mais ça me tente. Hein. Si je savais que je pouvais compter sur vous. Je n'arrête pas de penser à ce que nous avons vu dans la tour. Qui est ce Dulmalgus et que veut-il? Et pourquoi a-t-il tué mon frère? Je le poursuivrai jusqu'au bout de la terre, mais d'abord il faut que je sorte... Non, faut que je fasse en sorte que la mer soit sûre pour que les bateaux puissent naviguer. Le monstre marin qui nous bloque le chemin est censé être plutôt coriace, il vaut mieux être préparé. J'attends ici, revenez quand vous serez prêt. Ah ouais, non mais si c'est un monstre coriace, disons que... J'ai d'autres choses à faire, ciao. Attendez, elle veut qu'on affronte un monstre coriace. On va jamais réussir, on va crever. Y'a quoi là-haut? J'avoue qu'il y a beaucoup de questions dans les commentaires.
Ouais, l'histoire du monstre coriace, ça me tente pas trop. Je pense que pour l'instant, je ne peux pas l'affronter. Je pense qu'il faudrait que je gagne un ou deux niveaux. Ouais, faut que je monte un petit peu de niveau. J'ai appris la mort de ce pauvre Alistair. Je me demande bien comment le vit Alexandria. Ouais, comment on le vit Alexandria. Pour vous dire la vérité, ça me préoccupe beaucoup. Bon, bah, c'est très bien. Et toi, là? Salut la compagnie! Allez-y, mettez-vous à l'aise. Si vous êtes venu me voir danser aussitôt, c'est que vous devez être sacrément désespéré. Et vous n'avez qu'à attendre jusqu'à ce soir. Ah, elle danse ce soir, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais oui, pour la danse, hein, pas pour le fait que ce soit elle qui danse. Et là-haut, il y a quoi? Ah, regardez-moi cette belle vue sur l'océan. On se croirait sur Windwalker. Un ménestrel. Je suis venu d'Ascanta, sur le continent sud jusqu'ici. J'ai attendu longtemps ce bac. Et j'étais loin d'imaginer que la traversée serait aussi mouvementée. Quelle étrange expérience. Donc là, ça va peut-être être le bateau qu'on va devoir emprunter pour éliminer donc ce fameux monstre marin. Y a pas un petit trésor caché? Même pas un petit trésor caché. Dommage. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je vous propose en fait de... Oui, je parle à toutes les filles du jeu. Et alors? Je fais ce que je veux. Je vous propose tout simplement de sortir, de faire quelques combats. Et lorsqu'on aura gagné un niveau ou deux, plutôt un niveau je pense, on reviendra donc à essayer d'affronter ce monstre marin. Si je compte faire ça, c'est tout simplement parce que je pense qu'actuellement on n'est pas assez puissant. Et puis ce sera l'occasion de voir un petit peu si on n'a pas raté un truc ou deux à l'extérieur de la ville, notamment peut-être des trésors cachés ou d'autres choses dans le genre. Donc on va voir ça. Et voilà, ce sera l'occasion de monter de niveau. Je me prends tous les pots de fleurs, là c'est chiant. Surtout que je crois que Yongus n'est pas encore au même niveau que notre héros principal. Hein. On va vérifier ça. Ça serait bien que Jessica nous accompagne, mais pour l'instant... Ouais, Yongus est que niveau 9. Hein. Pour l'instant, elle n'a pas l'air très motivée de nous suivre. On va aller voir par là. On va aller voir par là. S'il n'y a pas un trésor caché. Ouais, alors on va peut-être pas gagner un max d'expérience avec ces ennemis-là, mais... on va faire quelques combats comme ça, et puis... Je sais pas. Pour l'instant, on va faire des combats, on verra bien. On verra bien ensuite. C'est quoi ton monstre préféré? Bon, alors là, aucune idée. Pour vous répondre, faudrait que je me souvienne de tous les monstres du jeu, mais il y en a tellement que je peux pas vraiment vous le dire. Mais j'aime bien les petits gluants, je trouve qu'ils sont mignons. Mais sinon, je sais pas. Pour mes monstres préférés. Allez, hop. Un combat en moins. 83 points d'expérience, bah si, en fait, si, on gagne pas mal. Du coup, Yongus est monté de niveau. On va mettre... Est-ce qu'on essaie de lui monter l'humanité? On va monter la hache au maximum avant de lui monter l'humanité, je pense. Tailleur d'ennemis. Les chances de Yongus de porter un coup critique avec une hache augmentent. Pratique. Un maillet géant. C'est quoi ce machin? Un maillet géant? Ah oui, ouh, c'est génial ça, ça se vend cher comme objet. Yes. En effet, le live se termine à 22h30, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est toujours la même chose, hein. Que ce soit les lundis ou les vendredis. Oh, il y a quelqu'un. Ah, il y a même deux personnes, attendez. J'ai l'impression que la zone est bouchée, par contre. Ah, génial, des lapicornes. Ah non, des lièvres-cornes. Ils ont changé, c'est leur version améliorée. Maintenant, nous savons que les lièvres sont plus puissants que les lapins. Je sais pas sur quoi ça se base, mais dans le jeu, en tout cas, les lièvres sont plus puissants que les lapins. C'est spécial. 9 points de dégâts. Ouais, ils font mal, hein. Ces petits lapins. Ah, je peux pas vous faire de face commentary, tout simplement parce que je n'ai pas ma webcam. C'est Lozangdar, en fait, qui a ma webcam, pour être précis. Je l'ai oublié chez lui, en fait, en étant... Lorsque je suis venu à la Paris Games Week, et du coup, depuis, bah, je n'ai plus ma... Je n'ai plus aucun moyen de faire de face commentary ou de faire de tweetcam, en fait. Car je n'ai plus ma webcam. 90 points d'expérience. Alors, qui sont ces deux personnes? Ça fait un petit moment de ça. Il y a eu cette lumière très bizarre dans le ciel au nord-ouest. Et aussi un tremblement de terre. Ce chemin a été enseveli sous les éboulis. Le château de Trodin se trouve dans cette direction. Ah, d'accord. C'est le château de Trodin là-bas. Pas moyen de passer, hein. Inutile d'essayer de continuer, sauf si vous êtes très pressé. De toute façon, il n'y a rien à voir là-haut. Bon, bah tant pis, alors on y va pas. Hein. S'ils veulent pas nous laisser passer, je pense que par la suite on pourra. Hein. Généralement, quand il y a des éboulis comme ça dans un jeu vidéo, c'est souvent que par la suite on pourra les enlever. Les P
petits lièvres, des petits lièvres. Je peux pas faire de tension 100, hein. Je crois pas que ce soit débloqué encore. Est-ce que tu feras Paper Mario sur 3DS? Bah non. Parce que je dis que je l'avais pas acheté, en plus j'ai aucun moyen de filmer ma 3DS. Bon, je sais que c'est faisable avec une webcam et d'essayer de bien la placer, mais du coup ça rend une qualité toute moche, donc bon. Va parler à la mère de Jessica, c'est important. C'est si important que ça, vous êtes sûr? Je suis pas sûr que ce soit si important que ça, hein. Et puis bon, après tout, c'est leur histoire de famille, hein. C'est pas à moi de m'en mêler. Est-ce que tu feras un jour une vidéo sur Guild Wars 2? Bah peut-être, mais c'est pas dans mes projets. J'y joue pas trop en fait à Guild Wars. Je suis plus sur World of Warcraft pour l'instant. Faut être niveau 25 pour faire une tension 100. Ouais, ça doit être un truc dans le genre. Je sais qu'au départ, au début du jeu, c'est pas totalement possible de le faire. On va attaquer celui-là. Je sais pas pourquoi, mais on va attaquer celui-là. Oh, ils s'amusent, ils se grattent l'oreille, c'est trop mignon. Ils sont un peu ridicules avec leur langue géante là, mais... Ah non, pour faire tension 100, faut insister sur la tension. Ah là, ce sort de glace est vraiment gênant. D'après vous, en fait, si je parle à la mère de Jessica, ça me permettra d'avoir Jessica dans mon équipe. Mais je vois pas pourquoi, en fait. Vu que Jessica ne parle même plus à sa mère, je vois pas pourquoi le fait de parler à sa mère, ça nous la ferait avoir dans notre équipe, en fait. Un foulard. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un foulard. Un bout de tissu ordinaire, l'un des accessoires préférés de Frigiel. Ah bah oui, on a ça comme casque. Mais j'en ai déjà un de foulard, du coup. Enfin... théoriquement, vu que j'en ai un sur la tête. Je vais pas tout de suite au niveau de... Ah, on va la refaire. Je ne vais pas tout de suite affronter le monstre marin. Je monte de niveau encore une fois. Et lorsqu'on sera niveau... 11, on ira l'affronter. Oh, d'ailleurs, on va se soigner, tiens. Il va peut-être falloir qu'on rachète des herbes au niveau de... Avec la dealeuse, là. Elle voulait nous en vendre, autant en profiter. Hop. Bon, vu qu'on a plein de magie, autant se soigner complètement. Y'a rien ici? Si! Un coffre! Mes amis, nous sommes gâtés. Vous voulez vraiment que j'aille parler à sa mère, hein? Bon, allez, on va le faire, si ça vous fait plaisir. Ça va me gaspiller deux ailes de chimère, mais bon. C'est pour vous faire plaisir, donc on y va. Mais bon, du coup, il y a les gens qui se bagarrent dans les commentaires pour savoir si c'est important ou pas d'aller voir la mère de Jessica. Pff, que ce soit important ou pas, autant le faire. Hein, j'aurais dû le faire, c'est vrai que c'était une erreur. Je suis parti sans lui parler. C'était une erreur de ma part, donc on va y aller tout de suite. Et puis on ressortira, on refera quelques combats pour voir. Pour pouvoir monter de niveau et voir si on a raté un coffre ou pas. Voilà, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, on a encore 20 minutes. Je pense qu'en 20 minutes, on a le temps de faire tout ça, d'affronter le monstre marin et de se quitter lorsqu'on aura. Terminer notre petite traversée en bateau. Il va falloir qu'on se dépêche hein, pour réussir à faire tout ça, mais c'est faisable. Alors, voyons voir. Bon, je suis quasiment certain que je reviens pour rien, mais... Je me demande vraiment de qui tient cette jante de cet enfant. Ça te fait autant de doute qu'elle reviendra bien vite sur la queue entre les jambes. Voilà. Donc ça ne servait strictement à rien. Jessica, envolée. Mes espoirs de voyage fracassés sur les rochers de la désolation. Oh amour, traître phare, comment as-tu pu m'égarer? Eh bien, je suppose qu'il n'y a plus rien qui me retienne ici, et ne m'empêche de prendre un peu de bon temps. Eh ouais, parce qu'en fait, on va se marier avec elle et pas toi, nananer. Eh ouais. Allez, on se barre. On a bien fait de revenir. Mais non, mais... Vous me demandez d'aller dans sa chambre maintenant, je ne suis pas un pervers. Je vais pas aller dans sa chambre pendant qu'elle est pas là. Non mais oh. Et en plus, ça servirait à rien. Est-ce qu'on fait une petite nuit à l'auberge? Ouais, non. Ce serait une perte de temps. On va essayer de monter de niveau 11, rapido. Et dès qu'on sera à niveau 11, on utilisera notre nouvelle aile de chimère pour retourner au niveau de la ville. Ah ouais, faut que je fouille son armoire. Mais oui. Attendez, on va aller voir au niveau de sa chambre. Oui, oui, c'est vrai, j'avais zappé qu'en fait, dans ma tête, j'avais déjà fouillé la chambre parce que j'y étais allé avec la... Avec la petite souris, sauf que du coup, oui, j'étais avec la petite souris et du coup, j'avais pas ouvert les
J'avais pas cassé, je crois qu'il y avait des tonneaux ou des trucs comme ça à casser en haut et j'avais pas ouvert l'armoire. Donc on va faire ça. Ah là là, du coup on perd du temps mes amis. Ah je suis désolé, je suis un peu tête en l'air parfois. Allez, on va essayer de faire ça. Et puis bon, ça se trouve on tombera peut-être sur des affaires personnelles, hein, qui sait. Non, j'ai dit que j'étais pas un pervers. Non mais oh, vous me prenez pour qui? Oh, la chambre d'une fille! Vous êtes sûr qu'il y avait une armoire ici au moins? Ça s'ouvre ça? Non, ça s'ouvre pas. Ah, là, des armoires. Armoire. Tenue de Jessica. Ouh. Est-ce qu'on peut l'équiper? Les habits de Jessica quand elle était à Alexandria. Très bien. Mais on ne peut pas les équiper, non. Et là-dedans, il y a quoi? Ah, rien! Wouhou! Eh, hey, on a une vue sur la... Sur quelle salle? Sur le salon, hein. On a une vue sur le salon. C'est bizarre d'avoir une chambre comme ça ouverte sur le salon. Bon. Bah au moins, on a la petite tenue de Jessica, yeah! C'est génial. C'est génial. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais bon. Je la préfère dans sa nouvelle tenue, hein. Je sais pas vous, de toute façon. On va la garder de côté, celle-là. Oui, oui, je vous remercie pour le conseil de m'avoir dit de retourner au niveau de la chambre. Je vais pas vendre ses vêtements, la pauvre. C'est les siens, après tout. D'ailleurs, c'était un petit peu du vol, là, de piquer sa robe comme ça. On va voir la dealeuse. Mais ouais, je vais aller la voir. Elle vendra des plantes, c'est intéressant. Elle les vend pas cher, en plus. Allez, c'est parti pour monter de niveau. Bon, on va se refaire le chemin, je pense. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un trésor vers là-bas. Non, je pense pas qu'il y a un trésor. On en a trouvé un déjà dans le coin. Ah, les petites bottes, tiens. Je crois qu'elles nous avaient tués, non, celles-là, je sais plus. Je crois qu'elles sont assez puissantes, les bottes. Bim. Ah bah non, un point de dégâts, non. Elles sont pas si puissantes que ça. Est-ce que tu joues à Minecraft sur Xbox 360? Bah non. C'est mieux de l'avoir sur PC, on peut lui mettre des pattes de texture et tout ça, donc aucune raison de d'y jouer sur Xbox. Ouais, les petits monstres en bot, ils sont assez sympas, je trouve. L'apparence de ces petits monstres là. C'est sympa. Oula, oula, oula. La caméra qui... Hey, il est de retour lui. Bon, on va pas s'amuser à le tuer une deuxième fois. Ça servira à rien. On va aller passer par là, tiens. On explore. Bon, de toute façon, c'est un raccourci. Donc... Ah, encore ces champignons, là. Oh là 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 là, des champignons. Si, en fait, il y a un seul intérêt à jouer à Minecraft sur Xbox, c'est d'être à 4 sur un seul écran. C'est le seul intérêt de la version Xbox, en fait. On gagne quand même plus de points d'expérience avec les ennemis du bord de la plage. Hein. Ça, c'est sûr. Encore une massue. Yeah, mais on va être super riche avec tous ces objets à revendre. On va être riche. Les monstres que tu tues dans la nature reviennent à l'infini tant que tu les as pas capturés. Alors, je sais pas si on peut les capturer. Je pense pas qu'on puisse encore, en tout cas. Mais de toute façon, on les tue une fois et puis c'est suffisant. Hein. Enfin, je sais pas, si par la suite il faut, on reviendra les tuer, mais... Allez, le vampimage, là. Tu crèves. Je pense que dans 2-3 combats, j'irai au monde de niveau. Un petit peu au hasard, je vous dis c'est un peu au hasard, mais bon, je pense. Bah, les capturer, oui, je sais pas ce que vous voulez dire par capturer, mais... Bon, on verra bien, hein. Ouais, non, parce qu'on n'est pas dans Pokémon non plus. Bon, les lièvres, machin chose, ils sont pas très méchants. À chaque fois, ils font tension, du coup, ils ont même pas le temps d'attaquer. C'est ça qui est sympa avec ces monstres-là. Et pourquoi Yangus attaque plus vite que nous, maintenant? Je comprends pas pourquoi, on a plus d'agilité que lui. Alors, à quoi ça sert l'agilité, au final? C'est mystérieux, tout ça.
Ouf, 66 points de dégâts. Voilà, là on gagne des points d'expérience. Une queue de lapin. Une queue de lapin. Une queue de lapin. Qu'est-ce que c'est que ça? Un accessoire agréable aussi doux que la soie. Agilité plus 2. On va le donner à Yangus. Tiens Yangus, tu veux une petite peau de lapin? Merde, j'ai mis non. Yangus, tu vas équiper cette peau de lapin, tout de suite. Ce contact merveilleux te réconforte Yangus. Bon bah si ça le réconforte, hein, autant s'en équiper. Je me fais tout sauf ce que je veux faire en fait. C'est incroyable. Équiper. Voilà. Maintenant tu as une jolie petite queue de lapin. J'espère que tu te sentiras réconforté comme ça. C'est bizarre cette queue de lapin là. Bon, on la donnera à Jessica, ouais, la queue de lapin. Je suis sûr qu'elle va l'aimer. C'est le genre de truc. C'est quoi cet effet de soleil là dans le sol? Un peu du what the fuck tout ça. Allez, on va peut-être pouvoir revenir en ville. Ouais, j'allais dire sans utiliser d'ailes de chimère, mais bon, de toute façon ça change rien, on pourra acheter des ailes de chimère. On va attaquer ce lièvre là. Allez, espérons que ce soit le dernier combat et qu'on puisse enfin enchaîner sur le boss avant que le live se termine. Comment tu choisis tes let's play? Ben je fais simplement les jeux auxquels j'ai envie de jouer. Et je les fais avec vous, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Allez, concentre-toi. Si tu veux, de toute façon tu vas crever. Oh, pas ce sort glace. J'ai l'impression qu'en fait notre armure n'influe pas sur les dégâts des sorts. Donc c'est ça qui est chiant. Allez, voilà, ils sont tous morts. Oh, toujours pas monté de niveau, mais c'est incroyable ça. Faut que l'on fasse combien de combats pour monter de niveau? Allez, on va se caler un soin. J'espère vraiment que le prochain combat sera le dernier. J'ai vraiment hâte de faire le boss en fait. Bon, s'il faut, on continuera jusqu'à 22h40. Hein. On n'est pas à 10 minutes près, c'est vendredi soir après tout. Il va faire nuit, donc les ennemis seront plus puissants, donc a priori on devrait gagner plus d'expérience. Si tout se passe bien. Bah non, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes ennemis. One shot. Ah non, non, pas jusqu'à 23h, donc il faut pas exagérer. Mais ouais, peut-être que 10 minutes de plus après tout. Après tout, si ça vous fait autant plaisir. Ah, mais monte de niveau! Oh là là, il veut pas monter de niveau. Cul est chiant. On est allé là ou pas? C'est peut-être là où on a trouvé le coffre au bord de l'eau, je ne sais plus. Est-ce qu'on est déjà passé par là? Je crois que oui, hein. Encore des chats! Des chats, toujours des chats. Aïe 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 aïe, arrêtez avec vos sorts là! Qu'est-ce qu'ils sont chiants ceux-là! Ils vont nous tuer si ça continue. Heureusement qu'ils s'amusent parfois, hein, parce que sinon avec leurs sorts là c'est. C'est bien chiant! Leur petite attaque les chouilles là par contre ça fait pas bien mal. Est-ce que tu feras des let's play sur des jeux récents? Ouais, c'est possible! C'est possible, c'est possible. Encore un foulard, bon. Je sais pas. Disons que je suis plus trop du genre à jouer en fait aux jeux récents. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas touché un jeu récent, mais bon, pourquoi pas. Bah, le prochain jeu récent auquel je vais toucher, ce sera probablement en fait Ni no Kuni. Ni no Kuni qui sortira en janvier, je crois, sur PlayStation 3. Mais c'est vrai qu'à part celui-là, les jeux récents, j'y touche plus vraiment. Bah, par exemple Assassin's Creed 3 je l'ai mais j'y ai pas touché, enfin Hitman j'y ai pas joué, les jeux de voiture là qui sont sortis, Need for Speed machin chose, ça m'intéresse pas. Donc ouais, les jeux récents, je sais pas, ça m'attire moins bien qu'un bon vieux Dragon Quest comme je les aime. Bon, on va espérer qu'on va monter de niveau. Si c'est vrai, ouais, j'ai joué à Halo, mais à part Halo 4 voilà, j'ai pas vraiment touché à grand chose.
Ah si oui, j'ai aussi joué à Dishonored. Bon, en fait voilà, je joue à quelques jeux récents, mais je suis pas du genre à attendre chaque grosse sortie non plus, donc de jeux vidéo. Bon, du coup on va monter le crâne. Le crâne, c'est quoi ce sort bizarre? Boomerang, et on va mettre un petit peu de courage. Soyons plus courageux. Lancer de feu. C'est bizarre ça comme technique. On va faire un dernier combat pour monter de niveau avec Yangus. Quoique. Bon allez, on va y aller comme ça, parce que là je commence à en avoir marre de faire des petits combats. Je monterai de niveau hors vidéo si jamais il y a vraiment besoin pour la suite de notre aventure. Où est l'aile de chimère? Elle est là. Port Espérance. Bah Far Cry 3, non, j'y ai pas joué en fait. Hein. J'y ai pas joué. Je l'ai testé chez Ubisoft, mais depuis j'ai pas rejoué. Non, je ne montrerai pas l'épée. Vous ne me ferez pas céder. Bonjour. C'est toi la dealeuse? Ouais, c'est la dealeuse. Il est bien difficile de les écouler avec ce bateau en retard. Avec un peu de chance, il va bientôt reprendre son rythme normal. Bon, la dealeuse ne vend plus d'herbe. Peut-être qu'elle ne les vend pas la nuit. C'est sympa de voir qu'il y a des... Ouais, du coup, regardez, il y a des gens qui dorment et tout parce qu'on est passé en nuit. Alors que lorsqu'on était arrivé, c'était le jour. C'est sympa. Ces petites différences à chaque fois de personnages qui sont pas toujours au même endroit. Et... Vraiment sympa. Allez, c'est parti. On va se faire du boss. On va se faire du crustacé. Je suppose que c'est un crustacé étant donné que c'est le roi des océans. Là, je suis motivé. Ça a été très lent. On n'a pas fait grand-chose durant cet épisode, du coup. À part, ben, trouver Jessica. Mais ouais, va falloir que je monte peut-être de niveau hors vidéo. Parce que sinon, faudrait pas qu'on passe trop de temps à chaque fois à faire ça durant chacun des lives. Je me doute que c'est pas la chose la plus passionnante à regarder. Donc voilà, j'essaierai de grimper peut-être d'un ou deux niveaux avant le prochain live qui sera donc lundi prochain. Allez, Jessica. On est prêt à prendre la mer. Parfait. Maître de manœuvre, préparez le bateau. À vos ordres. Espérons juste qu'on se fasse pas ratatiner. C'est parti. Larguez les amarres, ouvrez les grandes voiles. Direction. Bah direction quoi, ouais. Ça c'est une bonne question. Préparez-vous à appareiller. Levez l'ancre. Cette musique est vraiment... Elle est vraiment géniale, il n'y a rien à redire là-dessus. Et voilà notre petit trio réuni. On peut dire... On peut dire trio, même si c'est vrai qu'on a la petite souris avec nous. Oh oh. Oh 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui fait des bulles? Oh, c'est rien, c'est juste qu'un... C'est juste un poulpe géant! Oh, je déteste ça, Tanta! Moi aussi, Tacule. C'est moi des humains et leur bateau toujours à naviguer sur la tête du pauvre calamar. Ouais, Tanta, exactement. Les humains ne connaissent pas les bonnes manières. Ouais, c'est vrai, Tacule. Ils n'ont aucune éducation, vraiment. Il fait parler ces petits tentacules, là. C'est pourquoi calamar va agir au nom de toutes les pauvres créatures marines, en commençant par manger ces humains-là. Ouais, Tacule, il va les manger, les avaler tout cru. Oh oh. C'est quoi ce calamar fou furieux? Calamar approche. C'est un calamar. Hein. C'est un calamar, ce calamar. Alors, voyons voir. Réfléchissons à une stratégie. Stratégie, 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 stratégie. Lancer une puissance maximale qui touche tous les ennemis. Sans distinction. Ah, sympa. On fait autant de points de dégâts sur les ennemis de devant que les ennemis de derrière. Alors, on va faire un coupe-gorge. Avec Angus, on va lui baisser sa défense pour l'instant, avec le brise-casque.
On va voir à combien il tape, mais il va sûrement falloir se soigner durant le combat. Crash flamme. 36 points de dégâts, mon dieu. Bon bah alors notre héros va servir à se soigner. Il va faire que ça durant tout le combat. Alors sort premier secours sur Yangus. J'ai pas envie qu'il crève. Et Yangus il va faire du tension 50. Ça va être notre stratégie du jour. Aïe, oh là là. Il fait mal, cet ennemi, il fait mal. Ça va être serré, hein. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est vraiment que les boss sont compliqués. Il y a certains jeux où les boss sont simples, là c'est compliqué. Et bah franchement j'aime ça. Sphrygiel, tension. Non, on peut le faire les gens. Encouragez-moi au lieu de dire que je vais mourir. Si je meurs, je dois tout recommencer parce que j'ai pas sauvegardé. Et bah alors on va éviter de mourir, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Sort, premier secours, Yangus. Yangus, tension. Heureusement, on attaque les premiers. Donc, il n'y a pas de souci. Ça rajoute un peu de difficulté, vous voyez, de ne pas sauvegarder. Ça met un peu de suspense sur le cours du combat. Allez, on va se soigner. Non, pas d'attaque, pas d'attaque. Nous ne sommes pas fous. Quand on sera 3, ce sera déjà beaucoup plus sympa. Il y aura beaucoup plus de stratégie. Là, c'est vrai que pour l'instant, ben, on fait comme on peut. On va lui faire une attaque normale. Bim, 159 points de dégâts dans la face. Encore 2 ou 3 attaques comme ça, et ça devrait le faire. On va se soigner, on prend pas de risque. Attention, on recommence. Bon, ce sera Yangus hein, qui fera des dégâts durant ce combat de boss. Faut juste espérer qu'on ait assez de magie pour tenir jusqu'à la fin. Bim, alors là Yangus va vite falloir le soigner avant qu'il crève. 22 points de magie encore. Yangus, hein, on se trompe pas. Attention. Heureusement qu'on attaque les premiers. Sinon ça pourrait être compliqué. Crash flamme. Ah ça, cette attaque j'aime pas. J'aime pas. Ça fait vraiment mal comme attaque. On va se soigner nous-mêmes parce qu'on a pris plus cher. Je pense que Yangus a peut-être plus de défense. Non, pourtant c'est nous qui avons plus de défense. Allez, on va soigner Yangus. Et une dernière tension avec Yangus. Ah là là, c'est serré mes amis, c'est serré. Il attaque Yangus, on a bien fait de le soigner en effet. La défense du calamar revient à la normale. Bon, va falloir lui faire un autre truc qui baisse la défense. Bon, on va faire ça, tiens. Brise casque. Non, on peut pas aller jusqu'à 100, je suis sûr que ça marchera pas. On va pas prendre le risque de faire ça durant ce combat là. C'est trop dangereux. Ouf, on l'a eu. Il avait que 300 points de vie. Pfiouf. Ah bah voilà. Deux attaques à 150 points de vie, ça lui a fait mal le pauvre. Hein. C'est sûr qu'il a pas pu faire... Il a pas pu résister face à notre puissant Yangus, qui va d'ailleurs monter de niveau. Oui. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de passer niveau 11 pour l'affronter, en fait, au final. Mais c'est vrai qu'il faisait mal. Hein. Il faisait vraiment mal, pour le coup. Allez, hop. Tout dans la hache, encore une fois. Ah ouais, quand on est équipé d'une hache, on fait 10 points de dégâts supplémentaires. Bon, bah génial. Ah, ils étaient plus forts que ce qu'on pensait. On abandonne. Ce n'était pas notre faute, c'était la sienne, à lui. C'est vrai, oui. Ce fou, il s'est approché en marchant sur l'eau. Il a marché au-dessus de nous, vraiment. On s'est dit que c'était plutôt effronté de la part d'un humain de faire ce genre de choses. Alors on lui a parlé. Mais quand il a ouvert la bouche, notre tête est devenue toute embrumée et on a commencé à attaquer des bateaux. Si, c'est vrai. On n'était pas là. Non. Ce n'était pas nous, c'était ce fou. Vraiment, voilà quelque chose pour nous excuser. Oh. On a trouvé cet objet dans la mer, oui, vraiment. Allez, prenez-le, c'est le moins qu'on puisse faire, vraiment. Ouh, un brassard d'or, génial. Encore ce double Malgus, hein. À chaque fois qu'on le croise, il nous pose des problèmes. Bien, c'est tout. On s'en va maintenant, oui. Bon voyage. En fait, il était cool. Il est cool, ce poulpe. C'est un poulpe cool. Jessica, tu n'as strictement rien foutu. Pas mal, les gars. Vous êtes plus forts que vous en avez l'air. On s'est pas vraiment présenté en fait, je suis Jessica, Jessica Albert. Et vous? Je suis Yangus, et ça, c'est le chef. Salut. Yangus est le chef, c'est ça? Bien. Merci encore pour votre aide avec le monstre marin. Maintenant, retrouvons Dulmalgus. Je suis sûr que vous devez d'abord vous préparer, alors retournons à Port Espérant, je vais dire au capitaine de lever l'ancre.
Eh bien, parfait. Je crois qu'on s'est fait une nouvelle amie. Oh, j'allais oublier. Je vous ai traité de voleur à la tour et je me suis pas vraiment excusé alors. Pardonnez-moi. Bref, je vais parler au capitaine. C'est vrai qu'elle est plutôt mignonne, la petite. Allez, tout le monde sur le pont. Levez l'ancre et préparez-vous à virer. Nous retournons à Port-Espérance. Bon, c'était un voyage fantastique. On est de retour au point de départ. Youhou! En même temps, je sais même pas où est-ce qu'on était censé se rendre, donc... Bon, en tout cas, on sait que le mage est passé par là, vu qu'il a marché au-dessus de la tête du poulpe, mais... On n'a pas plus d'informations. Comme nous nous sommes occupés du monstre marin, ils ont accepté de nous attendre. Je me suis dit que vous voudriez vous reposer et acheter des provisions avant de reprendre la mer. Je vous attendrai ici, ne soyez pas trop long, nous avons beaucoup de choses à faire. Eh bien, mes amis, je pense que nous allons pouvoir nous laisser après ce combat mémorable et notre nouvelle amie, la belle et magnifique Jessica. Jessica. Donc, il va sûrement nous rejoindre durant l'épisode suivant. Ben, c'était un live vraiment très très sympathique. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu de temps peut-être à essayer de monter de niveau. Regardez-moi cet océan, je vais vous laisser devant l'océan. Mais bah du coup, bah c'était quand même assez sympathique. On a fait un boss, on a exploré la tour d'Alexandra ou d'Alexandria, je ne sais plus. Donc franchement, c'était pas si mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir donc lundi prochain, donc lundi soir à 21h, pour donc un prochain live sur notre aventure sur Dragon Quest 8. C'est possible que ce soir j'enchaîne sur un second petit live dans, je sais pas, dans une dizaine de minutes, dans une quinzaine de minutes, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée si jamais je ne relance pas de live. Et puis, si vous regardez la rediffusion actuellement sur YouTube, pensez à mettre un petit pouce vert, ça me fera plaisir. Et puis, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui regardent la rediffusion de ce live, tout simplement. Allez, ciao tout le monde et passez une bonne soirée.